À cet instant, elle sentit battre son cœur. Le mouvement était toujours au fond contradictoire. Une force motrice qui propulsait l'écriture et en même temps, comme un trou noir dans sa galaxie, la possibilité de ne pas écrire, parce qu'à quoi bon tenter de cerner les choses ou leur prêter une voix approximative. Les choses débordaient toujours de partout, se dérobaient, se métamorphosaient en un clin d'œil, même celles qui n'existaient pas. Qu'est-ce qui avait fait battre son cœur? Elle pensa à la petite marchande d'allumettes, qui avait un peu bercé, elle eut envie d'écrire « bercé », son enfance. « Allumettes, madame, achetez mes allumettes !» Une flamme, un rêve entreaperçu, mais quel rêve! Le petit matin, la marchande d'allumettes gisait toujours morte dans la neige. C'est ainsi, encore une fois, son esprit dérivé et trop de mots comme des mendiants affamés qui se précipitaient. « Moi, moi, donnez-moi une petite place dans votre histoire, madame !» Combien étaient-ils au juste? Des milliers? Plutôt des millions si l'on comptait l'ensemble des langues sur la terre. Ils avaient petit à petit colonisé les esprits, habillé la vie, tantôt en haute couture, tantôt en prêt-à-porter. Des mots naissaient, d'autres mouraient. Ils étaient maladroits et ils voulaient cependant tout diriger, comme présentement le texte que l'auteur pensait vaguement écrire, mais qui n'était pas celui vers lequel les mots l'entraînaient, la faisaient dériver. Le texte était donc toujours autre, celui des autres, celui des mots et non celui de l'auteur. Et le mot « auteur » n'était pas non plus l'auteur. Pas du tout ce qu'on dit en général, mais je crois que notre temps est marqué par la haine de la poésie. La poésie, non pas entendue comme un genre littéraire, mais la vérité d'une parole complètement neuve, complètement incandescente, d'une parole qui nous désarçonne. Comme dit Marina Tsvetaeva, le premier millimètre d'air au-dessus de la terre. Et c'est ça qui, d'un seul coup, m'est apparu... très fortement. Si je peux vous lire juste une phrase d'Emily Dickinson, elle dit « Si je lis un livre et qu'il rend mon corps entier si froid qu'aucun feu ne pourra jamais le réchauffer, je sais que c'est de la poésie. »
Si je ressens physiquement comme si le sommet de ma tête m'était arraché, je sais que c'est de la poésie. Ce sont les deux seules façons que j'ai de le savoir. Y en a-t-il d'autres ? Il se rappelait pourquoi elle avait voulu écrire. Le lui avait-on demandé ? Non, simplement, son cœur s'était mis à battre. Une sensation diffuse, ou plutôt très infuse, en son centre, comme une centrale atomique. La vie elle-même. Stop ! Tu ne préférerais pas ne pas avoir à écrire ? Tu crois que tu serais plus tranquille si tu n'écrivais pas ? C'est alors que ça bascula. Les mots n'étaient pas habitués à se faire refouler par un écrivain. Ils étaient en général plutôt bienvenus, désirés, appelés, recherchés, chouchoutés. Il y eut un silence. Puis un murmure. Bientôt un grondement. Les mots se regroupaient et commençaient à former des phrases. C'est incroyable pour qu'elle se prend celle-là. Elle nous utilise, nous manipule, elle raconte n'importe quoi, se fait du pognon sur notre dos, et elle croit qu'elle peut nous jeter comme des malpropres. Elle va voir de quel bois on se chauffe. Un silence avait encore suivi. L'auteur écoutait le silence et les mots tapis au cœur du silence. Le craquement d'une allumette. Des sons. Dans l'air, quelque chose. Combien de temps cela dura-t-il ? Il ne se passait rien. Tout décoiffé, le mot portrait se lança courageusement sur l'estrade et se mit à déclamer. De sa ville natale, au cœur de la Champagne, elle a fréquenté la cathédrale, seul lieu qu'elle trouvait réellement habitable. Le mot souvenir, assez sûr de lui, intervint. Je vais constituer une troupe d'élite. Je convoque ici les mots Reims, cathédrale, champagne, jeu, grand-père polonais, jardin, cerisier, maman, Mickey, rêverie, rouquine, solitude, peur. Amour accourut tout fringant. C'est pour moi, c'est par moi qu'elle écrit. Combien de fois l'ai-je imaginé ce voyage, ce départ à l'aube, froide et humide. Le brouillard plane en nappe blanche dans le village, épousant ma taille, puis s'effaçant lorsque j'avance sans faire de bruit dans la rue déserte. Déserte. Il me faudrait enlever cet habit d'écriture. Mais il me colle à la peau. Et si j'enlève ma peau, je risque de ne plus être tellement présentable. Mais enfin, présentez-vous ! Hurla le mot impatience. L'auteur ne savait plus où donner de la tête, où se cacher. Les gens pensent que les écrivains cherchent les mots, quand la plupart du temps, ce sont les mots qui cherchent l'auteur. L'auteur, lui, fait la vaisselle, la lessive, la soupe, dort, dîne, marche, à moins qu'il ne fasse semblant, car il a son piège à mots dans sa poche, ou sur la table de nuit, le carnet. Quand ils sont dans le carnet, au moins ça évite qu'ils bourdonnent autour de lui.
Oui, les mots sont énervants. N'est-ce pas paradoxalement le grand silence que l'on cherche à dire ? C'est alors qu'arriva celui qu'on n'attendait plus, le mot « mystère ». À celui-là, l'auteur savait qu'elle devait non seulement la vie, mais aussi sa façon de voir la vie. « Infiniment n'est pas là ? » demanda-t-elle. « Là, tu veux dire ici ? Ah oui, c'est ton truc. Infiniment grand par-ci, infiniment petit par-là, ton côté pascalien. » On se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas ? Un bail, en effet. Que de souvenirs ensemble. Je suis toujours attendri quand je repense à ces années d'études que tu as consacrées à la philosophie. Oui, je te tournais déjà autour à l'époque. Et toi, si indifférent. Tu te souviens de ton sujet de mémoire ? La disponibilité. Tu es mignonne, tu sais, Catherine. Oh, arrête de te moquer. J'aime bien quand on parle ensemble. J'adore tes points de suspension. Tu n'as rien d'autre à faire dans l'instant que de me chercher. Bon. Bon, madame est de mauvaise humeur ce matin. Je reviendrai à l'heure du coucher. Je te sens beaucoup plus réceptive juste avant de sombrer dans le sommeil. Tu n'aurais pas vu mes clés par hasard ? Ah, pour une fois que c'est toi qui perds tes clés. Non. L'auteur regarda le mystère s'éloigner. Il n'avait pas changé. Je capte tes regards que je dépose dans de petites boîtes. Ils finissent par y étouffer et mourir. Je m'en veux, mais ne peux me résoudre à les laisser en liberté, s'envoler et se poser n'importe où, sur n'importe qui. Je les garde et les regarde quelque temps. Étrange luciole, peu à peu dépossédée de leur lumière opale. Que puis-je faire ? Souffler dessus tendrement pour les attiser. Ces miroitants souvenirs qui, trop vite, disparaissent dans le lointain de l'obscurité. Je ne sais rien de leurs palpitations, du cœur qui les anime, de leur magie qui distille le vide autour de moi. Ni aube, ni crépuscule ne jettent sur ma vie plus douce et belle clarté. Comme il était beau. Comme tout s'éclairait sur son passage. Oui, c'est par amour du mystère que l'auteur rassemblait toutes ses forces. Ses histoires étaient sa correspondance avec lui. Elle lui donnait des nouvelles, de livre en livre. L'auteur venait de terminer une nouvelle correspondance. La nuit tombait. Les mots rentraient chez eux, pâles sous la lune. Je t'embrasse.
Comme le mot ne lui parut pas suffisant pour exprimer la force de ce qu'elle ressentait, elle dessina, juste à côté, un petit cœur.